Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la FM Exo pour 100 avec Mini, mais sans Mini aujourd'hui, malheureusement, vous le voyez juste en dessous. Alors j'ai mis sa petite photo pour qu'il fasse acte de présence, on va dire, mais malheureusement, voilà, il a son PC qui est out apparemment. Donc pas de Mini, on se retrouve à l'ancienne, entre nous. Dommage, écoutez, en tout cas, il y avait en plus pour fêter cette occasion de l'épisode numéro 8. Voilà, on avait une nouvelle Minia. On a des petits changements dans la vague, je vous l'avais dit la dernière fois, on a arrêté les tirages aléatoires. C'est vrai que se retrouver, comme je le disais, surtout avec des 4 capologies, full capologies, enfin des trucs chiant, vous voyez, des capindés, tout ça, ça c'était vraiment chiant. Du coup, on est passé à 2 items x 5 pour chaque métier, donc c'est-à-dire qu'on a 2 chocottes. Les nouveaux arrivant dans cette vague côté joyaux, on a l'amulette du cœur saignant, très intéressant comme item, on en reparlera juste après. Côté, donc pour le joyau, après vous reconnaissez les mêmes items qu'on a toujours en 2 exemplaires. Côté cordeau, les nouveaux, c'est les palmes tritons, voilà. On va également parler après. Et côté costu, c'est le masque de Cthulhu, tranquille. Donc il y a des items chill. On va encore une fois en parler juste après. Et je vous propose directement de se lancer dans le costumage. Let's go. Donc voilà, pas de mini aujourd'hui. J'espère que vous allez quand même apprécier. Comme je vous dis, voilà, à l'ancienne quoi. On va voir si on aura plus de chance en notre ami Mini. On taquine évidemment. On sait que c'est pas lui qui nous troll. Donc on est parti avec 10 répertaires sur ce premier item qui est le masque de Cthulhu. Donc écoutez, c'est l'occasion de l'accueillir, ce nouvel item. C'est un item très doué, enfin très doué, limite, il m'a même embêté, je sais pas pourquoi, mais bref. Du coup, c'est un item pas spécialement chiant et qui coûte très peu cher, même en 3%. Donc si jamais les repassages, je dois les faire à la fin. Non, vous savez quoi, on va les faire d'affilée quand même. On va les faire à l'ancienne, on va tout faire à l'ancienne dans cette vidéo, comme ça je vais éviter de trop me perdre. Ce qu'on fera à la fin, c'est les tentats pour 100 PO, si jamais on en a. On en aura de toute façon, qui sont déjà validés. Donc celui-ci est à 8 tentats. Du coup, ouais, même sur des 3% sur cet item-là, on tentera des PO, des invos, je pense plutôt PO. Donc on verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, voilà, on n'en a pas validé pour aujourd'hui. On passe à l'item suivant, la cape Jondin. Pourquoi pas la cape Jondin? Nous avons ici 12 repères. Donc voilà, comme d'habitude, merci beaucoup à Frofro et Mini qui ont participé à la remontée DG pour la vidéo. Et surtout pour Mini, c'est le joyau, on verra après. Et ça, je pense que c'était moi qui l'ai remonté. Bon, c'est pas grave, on n'a rien vu. GG à moi. Premier fait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est rien, on n'a rien vu. Celle-là est à 8 repères. C'est des choses qui arrivent. De toute façon, c'était du 2%, donc pas très grave. Allez, ça serait bien. Allez, un premier 3%. Est-ce qu'on va le valider? Du coup, on les passe directement. Est-ce qu'on valide dès maintenant un premier jet? Non. Allez, s'il vous plaît, Dofus. Donc là, on a un 2% sur Cap Solution. Les Cap Solutions, ça vaut rien non plus. Si on a du 3%, on tentera également le PO. Voilà, il y a des items, comme je vous dis, vraiment doux à FM, qui sont là, pour le beau jeu, pour la vidéo. Donc, comme d'habitude, beaucoup de travail. D'ailleurs, n'hésitez pas dès maintenant à lâcher vos petits likes et tout pour le soutien. C'est important, voilà, pour la motivation sur toutes les vidéos, hein. Ok, génial, hein, franchement. Le début, pas terrible. Si, les gars, je rate cette vidéo, je pourrais plus dire que c'est la faute de Mini, quoi. Et ça, c'est problématique. Du coup, ici, sur l'homme, on a 8 repères. Allez. Ça serait beau, là, que je ressors du 4%. Après, la dernière fois, la cap 1D, hein. Cap 1D pour 100 PM, qui s'est très bien vendue, puisqu'on l'avait vendue à 80 millions. Ça serait bien qu'aujourd'hui, on sorte de nouvelles dingueries. Par contre, les repères passent super mal, là, sur ces premiers items. Le 3% quand même. Il manque 2 de sagesse, quand même 3, 7 de vita. Et c'est validé quand même. Écoutez, au moins, c'est du 3%, c'est cool. Ça va. Comme je vous dis, il y a un petit peu de manque, mais c'est toujours une repère très très jolie. Donc, c'est cool pour l'avant-dernier item costu. Et le dernier, c'est la capologie. On a 8 repères là-dessus. Très belle tenta, d'ailleurs, que j'ai faite moi-même sur les capologies. Celle-là est à 100 de force, manque 2 de vita. Et la deuxième est déjà validée en 2%. Je vais vous montrer le jet vite fait aussi. Parce que ça nous fera, pour la fin de la vidéo, une très belle tenta. Est-ce qu'on en aura 2? Non, on n'en aura qu'une, je vous la montre, c'est celle-ci. Il manque 7 de vita, 100 de force, vraiment très très cool. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Pour le costume, on retrouvera du coup la cap solution et la capologie. Un omoplate de validé, c'est cool. Ça fait quand même plaisir. On va essayer d'en choper un deuxième, on va dire. On enchaîne sur le cordeau. Celle-là, pareil, c'est un item pas ouf pour la revente. Ah, attendez, celle-là, voilà, c'est à 8 repères, l'autre est à 12. Mais attendez. Ok, donc ce que je disais, ouais, c'est qu'il n'y en a pas forcément beaucoup en HDV en ce moment, donc je verrai, hein, sur du 3% pour peut-être les garder. Et si jamais je vois plus tard que effectivement ça va plus rien, ben, ça sera plaisir, le plaisir de mettre des invos ou des PO dessus. Allez, là, 12 tenta, on doit pouvoir arriver.
C'est grave ça monsieur. Bon ça passe pas, c'est pas très très grave là-dessus. L'agence, allez on va sur l'agence. 7 repères pour les deux, c'est y part. Ah là là les gars. Bon ça va qu'on a l'omoplate. 1% pour cette agence là qui passe, on la retrouvera avec un PM je pense. On a aussi 7 en tête du coup sur celle là. Le 2 en crit. Peut-être de quoi espérer le 3. Ce G est très beau. D'ailleurs, 25 d'opou, il manque un sagesse, 2 de vita. Allez, le troisième. Non. Bah écoutez, c'est le moment de mettre le PA. Pour après mettre un PO. Mais non. Évidemment. On enchaîne sur les bottino. Alors, les bottino. Alors, on va commencer sur celle-là. Regardez. 160. Super beau. Il n'y a que 6. Vous voyez, le minimum que j'accepte d'habitude, c'est le 7. Bon, sur ce G, je me suis dit, les gars, on peut se faire plaisir. Parce que là, 160, c'est super beau. Il manque que 5 vita. C'est des gens 15 soins hein, toujours, donc très dur. Ah dommage, ça aurait été énorme là. Après vraiment eu beaucoup d'espoir sur le passage, c'est déjà pas mal. Non, dommage, dommage. Et celle-là est à 7, aussi très jolie, mine de rien. En 97-59, très belle Vita. Allez, allez, le troisième, non. Ça, franchement, ce genre d'item là, ça me ferait vraiment kiffer d'avoir un 3% dessus. Ça ne repasse pas. Les pâteaux by Frof, regardez, on va, donc vous l'avez vu, on est un 2% déjà de validé. Qu'on retrouve pareil à la fin. Et là, on a un super repassage sur Puy PA. Il manque genre un de Vita et il est déjà validé en 3%. Donc bah là, les gars, ça serait vraiment fun ça. Fun et très cool et très plaisant. Donc s'il te plaît, je me concentre. Ça fait mal. Ça, ça fait très mal. Allez, les bottes de la dame du hasard, on va les faire aussi en pourcent feu. Celle-là, il y a 9. 9 repères, c'est l'autre qui est à 8. 69, 69, 40. Pareil, très très propre. Le 3%. Allez, pareil. De la même façon que la pato juste avant. Là, ça serait super qu'on passe ce jet-là. Allez, un deuxième 3% de la vidéo. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais non, Dofus. Pas drôle, Dofus. Donc, celle-là est à 8. En 60, 70, 70, 38. Pareil, très, très beau à voir. Le 2%. Allez, le 3, le 3, le 3. Et non, malheureusement, ça sera un petit 2 qui n'est même pas validé. Bon, bah rien à retenir sur le cordeau, malheureusement. Une insurgence, waouh. On aura les pâteaux, du coup, pour juste après. Et du coup, direction le joyau, le métier préféré de mon ami Mini. Et pareil, on va commencer avec les nouveaux, les petits nouveaux. Celle-là, le jet que j'ai fait, est à 8, 9. 9 repères. Et ça, c'est vraiment un très bel item. Bon, le jet là est super beau, mais pour vous dire, en HDV, genre pareil, c'est un item très utilisé. Mais qu'il n'y a pas forcément. Donc là, ça serait le très bon coup d'aller chercher le 3%. Malheureusement, c'est pas le cas. Allez, ça serait quand même une jolie tenta. Non. Allez, l'autre, il y a quand même de l'espoir. Pareil, très très beau jet. Celle-là, il y a 8 repères. Allez. Le premier. Le deuxième. Allez, 6 tenta. Pour le 3%, c'est fait. Le 4. Imagine le 4. Ça, ça serait énorme sur ce genre d'item. Un 4%. Allez, un très joli, très 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 joli 3% avec le 50 sagesse qui fait tellement beau. J'apprécie à moitié les gars. Alors les amuseries, on part sur du 40 tentats. Il faut savoir que c'est Mini du coup qui a fait le jouet comme je vous disais. Et il est possible qu'il ait perdu les tentats. Du coup là on prend les minimums qu'il avait. Enfin qu'on se dit. Donc là on part sur du 40 tentats. Donc bah voilà, très beau jeu. Encore une fois, il manque 2 sagesse, 1 puissance, 2 de vita. Allez, au moins le moins 5, c'est chaud. Ok, le moins 5, donc ça se validerait pour la vidéo des amustries, toujours pas. Et celle-là, qui est aussi du coup pour 40 tentards écrits, c'est parti. Allez, enfin le moins 5. 4, 3, et ça restera sur du 3. Bon, ça reste un beau petit jet. Qui ne passe pas malheureusement, les Volcorn. Bon, bon, bon. Plus que 8, 6. 6 items pour espérer éventuellement un 4%. Je le veux, mon 4%, un de ces jours. Quand même, la Volcorn, il y a un double 7. Du coup, là, possible, c'est possible qu'il y ait plus de 7 Tanta. Mais on sait pas vraiment, genre. Du coup, on va pas tenter. Je crois que c'est celle-là qui... Bon, je sais pas. Le PA passe, en tout cas, donc on la retrouvera à la fin, juste très bientôt là, pour tenter un PO, j'imagine. Et puis celle-là, du coup, on va également tenter 7 repères, c'est y part. Et là-dessus, on aura également 2%. Est-ce qu'on aura également le PA? A
absolument pas. Ok, et bah du coup on finit avec la chocotte. La chocotte, pareil, un item qui est très facile à FM. Même sur du 3%, on se fera le plaisir de mettre de l'invo. Du coup, il y a déjà 2 PO dessus. Et on a beaucoup de tantas et du 13 tantas là-dessus. L'autre, pareil. Donc ça pourrait être quand même mimi. Alors peut-être encore une fois un 4, ça serait cool. Mais si jamais ça passe... Alors c'est pas le cas, dommage. Si jamais ça passe, ça serait assez cool d'avoir un petit invo en plus, en 3%. Donc le premier qui passe, le 2%. Allez, faudrait que le troisième passe vite. Non. Ah d'accord. Ok, 3 tentas pour espérer le 4. Ah, mini, GG, mini. C'est pas grave. Allez, le PA non plus. Bon, 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 bon. Pas grand chose pour essayer de rattraper la vidéo. Pour l'instant, un seul 3% de validé. Bah écoutez, je compte sur ma chance. XD, alors j'ai pas de PO. Tiens, 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 ne bougez pas, je reviens. Allez, du coup, de retour sur le joyau, on est parti pour l'unique tenta du joyau, ça sera cette amulette Volcornia, c'est ça. Donc 2%, sur laquelle on aimerait bien rajouter un petit PO, ça serait sympathique. 3, 2, 1. Non, autour du costume du coup, on a la logie sur le costume, on a l'omoplate qu'on a passé, on n'y touche plus évidemment, et la cap solution. Donc on est parti pour tenter le PO sur la cap solution, on se garde la logie, la meilleure pour la fin. Donc c'est parti, il manque juste 2 de vita dessus, il y a 2%, on aimerait rajouter ce PO. Non, mais un PA qu'on va quand même exploiter, allez. Donc ça nous fait 10 tentas, on va voir ce qu'on va obtenir dessus. Imaginez le 4, c'est maintenant, clairement. Il y a la place, il y a la place monsieur. Non, il n'y a pas la place. Est-ce que le 3... Si le 3% passe, on remet le PO direct. Hein. Eh ben écoutez, je vous l'offre, c'est cadeau. Oh, ça serait beau comme scénario les gars. Allez les gars, allez, 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 allez. Dommage. Allez, la capologie du coup, regardez, ce jet très joli, très très joli. On enchaîne les PO, donc au bout d'un moment, il faut que ça passe hein, les gars. Faut que ça passe, et pourquoi pas maintenant. Non, encore un puits, d'accord, yes. Ah bah pas grand chose pour l'instant, un seul pourcent. Non, cette fois ça repasse pas. Et bah finissons avec le corps d'homme, malheureusement, déjà. Oh, c'est triste. Alors on avait les pathos, ça j'en suis sûr. Est-ce qu'on avait validé autre chose? Oui, la sainte urgence MDR. Alors ça serait drôle, mais genre, imaginez. Vraiment, ma spécialité les gars, c'est le PM, c'est le PM pourcent. Donc faut que j'essaye, faut que j'essaye. Allez, on est parti. Avant de toucher au pathos gastrique. Ça aurait été tellement drôle. Oh là là. Allez, la PO 58, 58, 38 pour la pathogastrique en 2% feu. On y rajoute le PO maintenant. Et encore un puits. J'ai pas mes runes, pas ça et chat par contre. Donc je reviens. Eh bien non, ça sera un seul petit pourcent qui ne repassera pas. Bon, 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 bon. Pas terrible le bilan. Alors, oups, j'ai oublié les colliers tourtons pendant la vidéo, donc on va se les faire dès maintenant. Peut-être qu'on va pouvoir débloquer quelque chose en plus. On va voir, c'est parti. Donc, on a 6 tentas sur la première ici. Le premier collier tourton. On y met le PA et ça passe. Ok, je vais d'abord faire l'autre avant de voir ce qui peut se passer. Et du coup, le deuxième, il y aura 7 tentas. Donc voilà, DG plutôt sympathique. Allez, le premier pourcent. Allez, un 3... Mini, mais what the fuck, Mini, Mini. Ça passe pas de façon. Bon, ok. Les gars, le PM, je suis désolé. Mais là, le PM, il part à 100%, les gars. Ah, trop chiant. Alors, attends, on va mettre que 2%. On a 1%. Et le PA passe pas. Ok, vous n'avez rien raté. Ce n'est pas Mini, donc ce n'est pas la cam, ça on l'a vu. Ce n'est pas Mini non plus, bah c'est moi. Tout simplement, du coup, le poisseux, malheureusement. Oh. Bon, un omoplate 3%, c'est déjà ça, même si c'est pas extraordinaire. Écoutez, c'est mieux que rien. On va se dire ça tranquillement. Et puis, on se retrouvera dans 2 semaines. Dans 2 semaines pour cette vague-là. Je l'espère avec Mini, normalement, qui aura un nouveau PC. Et du coup, bah, c'est 30 items pour passer de meilleures choses, j'espère, qu'aujourd'hui. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à liker. Merci à tous. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.